Imagine-toi que tu es à côté d'un panneau d'information comme celui-ci et quelqu'un arrive et te pose une question. Qu'est-ce que je dois faire pour aller à certain endroit? Et tu dis, mais écoutez, il faut que vous lisez le panneau. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Il est vrai que parfois, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, mais pas tout le monde est comme ça. Ça me rappelle le chapitre 12 de Marc où un écrivain l'a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et Jésus l'a dit, bon, il faut que tu lises les panneaux. Qu'est-ce que dit la Bible? Alors, l'autre a répondu, et Jésus l'a dit, c'est vrai que tu n'es pas éloigné du royaume des cieux. Dans l'église, dans la vie, c'est pareil. Il y a des choses que tout le monde pense que tout le monde doit connaître, mais peut-être on hésite. Et nous faisons honte de poser la question. Je t'encourage aujourd'hui, si tu as quelques doutes, de poser la question. C'est pas grave. Il faut toujours avoir les réponses correctes.